Oh oh oh, Daya de la Reine du Soleil a carrément anéanti l'arvette de Blue Pegasus. Le gagnant de ce premier combat est donc Tayachi de l'Arc du Soleil. Oh, j'ai gagné. Wow, c'est trop cool. Le combat augmente de 10 points à l'Arc du Soleil. Ce qui leur en donne maintenant 14 points. Ouais, mais ça peut être de la triche. Si 3 personnes de l'Arc du Soleil combattent dans la même journée et qu'ils gagnent tous les 3, ils vont gagner 30 points en plus. Ouais, non, mais c'était exprès. Je pense que le tirage de sort de Taiko, il est valable. On partirait 3 fois à l'Arc du Soleil. Ni bloqué que de soucis. Le prochain combat se fera dans environ une demi-heure. On vous appellera. Vous pouvez rentrer dans votre auberge ou aller faire ce que vous voulez. Super. Je vais en profiter pour voir ce que Franck a. C'est bizarre. Oui, quoi? Il a du poison en lui. Et je sais pas, j'arrive pas à le guérir même avec la poudre de guérison. Vous avez rien marqué de suspect, vous? Non. Ah, moi non plus. On dirait une piqûre d'araignée. Ou plutôt une morsure d'araignée. Et tu crois que c'est grave? Je pense. Selon moi, qu'il ne reste plus que 6 jours à vivre. Quoi? Non, ça veut dire que à la fin des grands jeux magiques, normalement. Ouais. J'en ai marre que tout le monde soit blessé, il reste plus grand chose à vivre. Eh, maître? Oui, quoi? Si ça se trouve, c'est encore une corde qui arrive pas à descendre. Eh oh, vous moquez pas de moi! Attendez, non, c'est sérieux. Cette fois, il n'y a plus de remède. Quoi? Oh non. Je parie que c'est un coup encore de la tire-force. Je vais voir de plus près. Ouais, si tu veux. Horrible, le poison se propage. Je dirais qu'il reste 5 jours à vivre. Voire 6 pour au maximum. S'il y a de la chance. Je viens d'avoir une idée. Si je faisais ça avec tous les membres de Fairy Tail, ce serait fini d'eux. Non. Ce serait trop facile. Ça me sert à rien de gaspiller autant d'énergie. Maître! Maître! Oui. Maître, j'ai entendu tout ce que Franck avait. Et j'ai vu une dame, plutôt une jeune fille, qui rôdait pas très loin des arrêts. Elle avait un chapeau bleu. Hein? Un chapeau bleu? Ouais, c'est ça. Ouais, même pendant tous les grands jeux. Reste avec lui. Ok. On y va. Et toi là-bas? Où pas? Qu'est-ce que tu m'as fait ça? Désolé. Mon Dieu, qui était ce gars? Thank you.
ciel. Encore une présence maléfique différente. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, là? Pourquoi il y a autant de problèmes comme ça? Marie qui a disparu. Franck empoisonné par une araignée invisible. Attire Force qui est parti pour un jeu de la magie. Et cette fille là-bas qui rôde. C'est quoi tous ces problèmes-là? Le gars là qui part vite. Je parie qu'ils ont tous un lien. Mais je sais pas lequel. Qui c'était ce type-là? Il a poussé. Il avait une énergie très étrange. Je vais voir. Maître. Ah oui, Maxime. Je pense que c'est une très mauvaise idée de participer au grand jeu de la magie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Déjà, vous avez pas remarqué? Marie qui a disparu. Franck qui a empoisonné. Zoro et tout qui sont banalisés. Et un gars que j'ai vu. Avec une énergie bizarre. Il courait très vite et il s'est envolé dans le ciel. Je parie que tout ça a un lien. À mon avis, non. Oui, Diane. Là-bas, j'ai vu Zoro, et c'est plutôt surtout entendu. J'ai entendu dire qu'il se demandait bien qui c'était cette personne. Donc ça veut dire que Zoro et le gars que t'as vu, Maxime, c'est pas les mêmes personnes. Enfin, je veux dire qu'ils veulent pas la même chose. Non, du coup, je pense pas. Mais je sais pas si c'est mieux ou pas mieux. De toute façon, on verra bien. Nous verrons bien. Mais il y a juste un problème, c'est qu'on dit toujours ça, et on n'agit pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Justement, je sais pas. Donc, Kian. Oui. Si t'en veux, on veut pas. Comme t'as une ouïe très fine et une vue très fine aussi, tu peux pas aller sur les hauteurs et voir autour des arènes ce qui se passe. Ok. Ouais. Très bien tenté. Mais je vais faire en sorte qu'il ne voie rien. Encore moi. J'ai une idée. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? L'arène s'est détruit un bout. Hein? Ah, mais qui aurait pu faire ça? Oh, mais qui aurait le culot de faire ça? Juste avant le combat prochain. Ah, c'est moi. Et pour gagner du temps. Ah, c'était quoi ce bruit aux arènes? Je vais voir. Hein? Tiens, ma fille est là-bas. Saleté! J'ai eu un coup de chance, là, dis donc. Ah! Thomas, d'ici, on voit tout. Hein? Pourquoi la reine est truite comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et ouais, c'est vrai, pourquoi c'est comme ça? Enfin plutôt, qui pourrait l'avoir explosé? T'as même idée que moi? Ouais, allez, on va voir. Et attendez. Bon, réparateur, vite, venez. Pas la peine. La guilde des rovers. Plus particulièrement les 4 saisons. Enfin plutôt ce qu'il en reste. Les 3 saisons. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Nous pouvons contrôler le temps. Donc nous pouvons remettre tout ça. Vu que ça fait même moins de 10 minutes que c'est... Ça c'est fait. C'est parti. Préparons-nous. Regardez bien, chers spectateurs. Vous allez assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais on sait bien, ils remontent le temps tous les jours pour remplir leur tube de dentifrice au max. Ouais, Jim, là, ce sera plus dur, c'est plus gros, on oublie l'état 3. Pas faux. Concentrons-nous. Pouvoir de Temporis. Tu vois quelque chose? Oui, je vois quelque chose. Hein, tu veux? Quoi? Aïe. Aïe. Ouah, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas notre faute, c'est Zoro. Zoro? Encore Zoro? Ouais, il a détruit une partie de l'arène. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. D'avoir une idée à la tête.
Je pense que c'est pour gagner du temps. Il a une idée derrière la tête. Et voilà. Merci, merci beaucoup. C'est rien, c'était presque rien. Oh, je vois que ça servait à rien. Autant retourner, hop. Enfin, à part Arvette et Daichi qui sont pas obligés de venir, puisqu'ils viennent de combattre. Tu vas rester là. Allez-y. Ok, on te fait confiance. Ouais. Taichi de l'Arc du Soleil, préparez le tirage au sort. Qu'est-ce que je fais? Le prochain combat se fera entre eux. Joseph de Fairy Tail contre Yves de la Guilde de Rover. Et voilà. Et c'est parti pour le combat.